notre invité d'aujourd'hui, à Pout-Pout. Il y a peut-être l'air d'un dieu qui vous type, mais c'est un monument de la culture québécoise. On est tous très heureux d'accueillir à l'émission sur ce plateau mon ami Gilles Vigneault. Bonjour, bonsoir, t'as un petit Denis dedans. Une chance qu'il ne s'appelle pas Gilles Vignette parce que j'aurais pas pu me stationner. Oh my God, c'est la descente des célébrités en bobsleigh. Ça, c'est nous autres, ça, Denis, il faut y aller. Vous faites partie des inconscients qui tenaient encore à vivre avec un autre humain, je vous dirais, un souper d'amoureux est envisageable, à condition, bien sûr, de manger dans deux pièces séparées et scellées hermétiquement. Et pour la connexion entre vous deux, ben, il y a bien sûr Zoom. Et pour ceux qui sont tannés de Zoom, on peut juste se parler très fort. OK, mais on part de même. Donc, je suppose que si je vous questionne sur les rapprochements coquins, ce qu'on appelle les rapprochements... Ben là, docteur, vous devez bien... Vous vous doutez que, évidemment, les gens vont avoir... C'est sûr que je peux pas vous empêcher de rien faire, mais de grâce... Évitez les relations sexuelles à moins d'avoir un très, très, très long pénis. Je suis très fier de représenter le Parti conservatoire. Conservateur. Et de travailler avec M. Duchesne. Duhaime. Afin d'établir une société plus juste et équitable pour les madames amères qui aiment les chars de luxe puis qui veulent faire chier leur ancien parti de marde de crisse. 1998, en chiffre romain, ça fait MCMXCBI. Le troisième jour de Noël, mon guide m'a donné trois bonnes leçons, deux tweets écrits et une opinion non sollicitée. Hey, hey. Oh! Gandalf, on doit s'en aller, c'est le signal d'alerte qui annonce que Anouk Meunier est dans les environs à la recherche de bloopers. Courez, pauvre fou! C'est bientôt l'heure de l'épreuve pour Coqueluche. Non. L'épreuve pour Coqueluche sur Skeleton. Bientôt l'heure de l'épreuve. De Skeleton pour Coqueluche. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit? L'épreuve de Coqueluche. Moi j'étais sur le Skeleton. C'est bientôt. Ça se peut. Non, mais ça marche pas. C'est quoi l'on voit rien? Vraiment. C'est aussi dans le style. Mais pas fini! Elle n'est pas finie! Moi, avant de m'engager avec un parti, je me pose toujours trois questions. Est-ce que ça se fait au mépris de mes électeurs? Est-ce que ça s'inscrit dans une démarche politique cohérente? Mais Claire, ça fait juste deux questions, ça? J'aime beaucoup la crème molle. Ah, OK. Liberté!